Après des semaines de lutte, nous avons enfin réussi à éliminer Dracula. Mais le prix à payer est élevé. Quincy se meurt à nos pieds, et nous ne pouvons rien faire d'autre que l'accompagner dans la mort. Mina, elle, est sauvée, mais pour combien de temps? Le sang du vampire coule dans ses veines. Et même si les traces sur son cou ont disparu, qui sait si elles ne ressurgiront pas un jour? Car si nous avons tous vu Dracula disparaître, aucun de nous ne peut dire avec certitude si nous avons vraiment réussi à vaincre le monstre. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play du jeu Dracula, la résurrection. Alors ce jeu est un jeu d'aventure point and click qui est sorti en octobre 1999 sur PC. Il a été développé par Index Plus, France Télécom Multimédia et Canal Plus Multimédia, ce qui en fait donc un jeu français, et il a été édité par Dreamcatcher Interactive. Alors ce qu'il faut savoir avec ce jeu, c'est que c'est la suite directe du roman de Bram Stoker de Dracula. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du Dracula original, je vous fais un résumé rapide, mais vraiment très très rapide, hein, de ce que vous devez savoir pour comprendre le jeu. Jonathan Harker, qui est le héros du jeu, et qui était aussi le héros des bouquins, a été invité chez le comte Dracula. Il se rend compte que c'est un vampire, il retourne à Londres, sauf que Dracula, qui voyage beaucoup plus vite, avait déjà rejoint Londres et il avait mordu Mina, qui était la fiancée de Jonathan. Donc Mina était condamnée à devenir un vampire elle aussi, sauf si Jonathan tuait Dracula. Ce qu'on vient de voir avec la vidéo d'intro. Donc Dracula est mort à la fin du roman de Bram Stoker, Mina est délivrée de son emprise et ne se change pas en vampire. Ça c'est vraiment un résumé, mais vraiment résumé de chez résumé, hein, parce que si je devais vous résumer le bouquin un peu mieux, on y serait encore demain, donc on va éviter. Si ça vous intéresse, ben y a Wikipédia qui fait de très bons résumés. Vous pouvez aussi lire le roman. J'ai essayé personnellement, j'ai pas réussi, parce que c'est un roman qui est écrit à l'ancienne. Il faut aimer ce genre de roman. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Mais ça reste quand même un très bon roman pour ceux qui aiment la littérature à l'ancienne. Parce que c'est un livre qui a été écrit début 1900, je crois. Mais bon, là, je m'avance, je suis pas sûre. Je mettrai, si je me suis trompée, je mettrai une petite note en dessous de la vidéo en disant non, je me suis trompée, c'est pas la bonne date. Bref, on va lancer une nouvelle partie. Comme je vous l'ai dit là tout de suite, ce jeu est la suite directe du roman. Donc on se retrouve après avoir tué Dracula. Je lance une nouvelle partie et on se retrouve après la cinématique d'intro. À tout de suite. Jonathan, excuse mon écriture car ma main tremble. J'ai tant de mal à tenir ma plume. Ce matin, après ton départ, j'ai été prise d'une sorte de vertige. Je suis sortie prendre l'air et lorsque j'ai levé les yeux, j'étais à Carfax. L'ancienne demeure de Dracula m'avait appelé comme s'il était revenu et qu'il me voulait de nouveau. À l'heure où je t'écris, je ne peux plus contrôler cette force qui m'attire. Je prends le premier bateau pour la Transylvanie. Je sens que je dois retourner au château, je n'ai pas le choix. Je dois savoir ce qui m'arrive. Ne cherche pas à me suivre. Ta présence ne ferait que compliquer les choses. Pardonne-moi, Mina. Seward, mon ami. Mes craintes les plus profondes étaient justifiées. Ce matin, Mina a été prise de démence. Elle a décidé de partir seule en Transylvanie. Il semblerait que Dracula soit de retour. Peux-tu enquêter de ton côté à Londres pour savoir si la menace est réelle? Si c'est le cas, alors nous devons trouver de nouveaux alliés pour continuer le combat. Prends garde et sois prudent. Pour l'heure, je pars à la hâte sur les traces de Mina. Je n'ai que quelques heures de retard sur elle. J'espère la retrouver avant qu'il ne soit trop tard.
Jonathan. Et nous voilà donc en Transylvanie, après cette intro très courte, mais qui explique bien les choses. Après tout, ça, c'est un point and click, hein, donc il n'y a pas des masses de choses à faire à part explorer, essayer de résoudre des énigmes. J'adore ce genre de jeu, personnellement, j'aime beaucoup les point and click. Je me rends compte que j'en avais jamais fait en commentaire. J'en ai un, un très très vieux let's play de Discworld 2 qui traîne sur ma chaîne où j'avais même pas encore de micro. Et on peut même pas vraiment appeler ça un let's play mais plus un speedrun. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Si ça vous intéresse de l'avoir avec des commentaires, dites-le moi, je le ferai peut-être un jour. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Nous sommes arrivés en Transylvanie. Donc le gameplay du jeu est assez basique. Hein. Donc voilà, il y a... On peut regarder autour de nous. Quand il y a une petite flèche comme celle-là, ça veut dire qu'on peut avancer. Le curseur change selon ce qu'on peut faire. Si on peut faire une interaction, ça sera une main ou ce genre de choses. Il faut juste explorer, cliquer, avancer, essayer de résoudre des énigmes. Donc le gameplay est vraiment très très basique. Mais bon, c'est un point and click. Hein. C'est le gameplay d'un point and click, c'est vraiment très basique. Voilà, là je viens d'avancer, le décor a changé pour montrer qu'on a avancé, quoi, donc voilà, hop. C'est vraiment très basique, mais c'est... On n'a pas besoin de plus pour un pointed click. Vraiment, pas besoin de trucs trop compliqués ou quoi, c'est vraiment le minimum, et c'est assez pour qu'on soit plongé dans l'histoire. Bon, assez parlé du gameplay, maintenant on va jouer, et on va se rendre vers cette maison. Soyez le bienvenu, étranger, dans ma modeste auberge. J'espère que ces deux rustres ne vous ont pas fait mal. Je sais pas quelle mouche les a piqués, mais enfin, vous devez avoir fait un long voyage et la nuit est déjà bien avancée. Réchauffez-vous près du poêle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans ma cuisine. N'hésitez pas, vous êtes ici, chez vous. Alors ce qui est assez drôle, c'est que les doublages, il y a certains doubleurs qui sont très bons, genre l'aubergiste est très doué, je trouve. Étant donné que c'est pas une petite doubleuse, j'ai oublié son nom, j'aurais mieux fait de le noter avant de commencer ce let's play, mais je vous le mettrai en bas. Décidément, je vais mettre beaucoup de choses dans cette vidéo en note. Bref, mais c'est la doubleuse de Whoopi Goldberg, par exemple. Donc c'est pas une petite doubleuse, c'est une bonne doubleuse, elle fait de bons doublages. À côté de ça, on a d'autres personnages qui sont complètement ridicules et qui sont doublés avec les pieds. C'est ça le gros contraste avec ce jeu, c'est qu'on a des doublages magnifiques et à côté de ça, on a des clampins qu'ils ont chopés dans la rue, genre « Excusez-moi, vous voulez bien doubler notre jeu ?» Je trouve ça très drôle. Bref, que peut-on faire dans cette auberge? Allez, on va parler à la dame. Voilà, donc ici, les sujets de conversation sont mis sur le côté. On peut voir qu'il y a 4 sujets de conversation qu'on pourra avoir, mais pour le moment, il n'y en a qu'un. Donc on va l'interroger, hein. Madame, je dois me rendre au château le plus vite possible. Au château ? Il est tard, la route est longue et les chemins peu sûrs. Vous devez être épuisé. Oubliez le château pour cette nuit. Je vais vous préparer une chambre et demain, nous reparlerons de tout ça. Demain, il sera trop tard. Il faut que je m'y rende au plus vite. Vous devez vraiment y aller. Nous sommes à la veille de la Saint-Georges. Quand la cloche sonnera minuit, tout le mal du monde sera maître sur la terre. Savez-vous où vous allez, ce que vous allez rencontrer? Restez, restez ici, pour l'amour de votre mère. Elle est pas très coopérative, hein, bon,
va aller parler à ce monsieur. Bonjour monsieur. Même question. Je voudrais me rendre au château. Quel est le chemin le plus court ? Le vieux château ? Mais il est désert depuis la disparition du comte. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, étranger ? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il est important que je me rende au château le plus vite possible. Tu devrais attendre le jour. Le chemin est plein de pièges. Tu risques de devoir affronter des dangers dont tu n'as pas idée. Restons ensemble et buvons plutôt. Je ne peux pas. C'est une question de vie ou de mort. Comme tu veux, jeune homme. Tu peux prendre par le vieux pont derrière l'auberge, mais il n'est pas sûr. C'est vraiment le seul chemin ? En tout cas, c'est le plus rapide. Ok, bon bah allons voir derrière l'auberge. Hein. Bon, derrière l'auberge. Oui, une chose que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que je connais ce jeu, je l'ai déjà fini un million de fois. Je me rappelle pas forcément de toutes les énigmes, parce que ça fait un petit temps que j'ai plus joué, mais j'y ai déjà joué un million de fois. À la base, moi j'y avais joué sur sa version PlayStation 1, qui était sortie en 2000, je crois. Et qui était vachement moins maniable que sur PC. Donc je me rappelle quand même plus ou moins des énigmes, mais pas forcément de tout. Il y a certaines choses que bon, j'oublie complètement. Pourquoi je peux plus avancer ? Logiquement, je peux avancer. Ah, voilà. Tiens, un joli pluie. Voilà, ça c'est un curseur qui veut dire il faut utiliser un objet. Mais j'ai pas d'objet. Donc ça ne sert à rien. Donc on voit sûrement qu'il y a un cadenas ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir trouver un objet pour venir ici. Donc on reviendra plus tard. Fiche le camp et ne reviens plus. Voilà, ça c'est l'exemple de doublage mal foutu. On a les deux personnages dans l'auberge qui sont pas trop mauvais, surtout l'aubergiste, et puis à côté de ça, on a lui. Fiche le camp et ne reviens plus. Ah, oh, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est pour ça que je me marre, hein, donc. Bon, le chemin là est bloqué. Bon, bah on va explorer un petit peu plus les alentours, hein, étant donné que c'est pas passé par là. Donc, par là, on a un pont, et par là, on a, je ne sais pas, vu que c'est écrit en latin. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Enfin, je sais où ça amène, hein, mais je sais pas ce que ça veut dire. Là, par exemple, on a un cimetière. On a beaucoup de chemins, donc par où on va en premier ? Ça, c'est quoi ? Ah, bah, c'est le cimetière. Pfff. Ça, par contre, vous allez me voir souvent... tourner en rond, parce que, étant donné que c'est un jeu en 360, au bout d'un moment, je fais « Tiens, c'est quoi ça ?» alors que j'ai déjà vu, comme maintenant, avec la pancarte du cimetière. C'est qui me fait passer pour une grosse débile, mais vous savez très bien que moi et le sens de l'orientation, ça fait deux. Enfin, si vous êtes habitué de mes vidéos, vous le savez. Si vous n'êtes pas, ben voilà, maintenant, vous le savez aussi. Alors, voyons voir. À droite, on a le cimetière. Et à gauche, on a le... J'ai aucune idée de comment on peut traduire ça. Étant donné que je ne parle pas latin. Calvaire ? J'en sais rien. On va aller par là. En tout cas, ce qu'on peut pas lui reprocher à ce jeu, c'est que même pour l'époque, je le trouve très beau. Et il a pas trop mal vieilli encore. Plein de petites croix. Et un hibou crucifié, le pauvre. Voilà, ça par exemple, c'est un icône pour dire que c'est un objet qu'on peut ramasser. Hop, voilà, je l'ai ramassé. Maintenant, il est dans mon inventaire. Qui est ici. Pour rentrer dans l'inventaire sur PC, il faut appuyer sur le retour en arrière. La flèche pour effacer, comme on écrit en fait.
Oui, ce qui est très drôle, c'est que dans ce jeu, il n'y a aucun manuel, il n'y a aucune option. Donc, quand j'ai rallumé le jeu hier, j'ai appuyé sur tous les boutons de mon clavier pour essayer de me rappeler lequel était le menu. C'était assez drôle. Et voilà, on a trouvé un objet. Une fronde. À quoi ça peut nous servir pour le moment, on sait pas trop. Je ne peux plus avancer, donc on va revenir en arrière. Hop. On va aller vers le cimetière. Non, encore une fois. Hop. Le cimetière, c'est par là. Mais qu'est-ce que c'est ? Bien, je ne sais pas. Il y a un drôle de truc qui sort de cette tombe. C'est une tombe avec une jolie décoration, on va dire ça comme ça, même si on sait pas trop ce que ça représente. C'est pas Saint-Georges qui a terrassé le dragon ? Justement. Parce que là, on voit un dragon et on voit un mec en train de le tuer avec une espèce de lance. Donc je crois que c'est Saint-Georges, mais je ne m'y connais pas très bien, donc je ne m'avance pas. Mais bon, si je peux rien faire, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un objet. Et juste pour vous montrer, on sait tous très bien que la fronde ne va servir à rien ici, hein, mais c'est juste pour vous montrer, si je prends la fronde, eh ben il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas le bon objet. Voilà. Une magnifique tombe. J'arrive pas à lire. Quoi ? Cavetanium resanguinum nem edas sanguis vita. Je ne parle pas latin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis même pas sûre d'avoir bien lu, parce que c'est pas très facile à lire. Là, par exemple, on a la tombe de... De qui ? Vincent P. Maurice. Bon, ben... RIP, hein. Ah bah voilà qui va nous être utile. Rien d'autre ? Non. Alors, où quelle est cette pioche ? Elle est là ! Voilà, et ça veut dire, oui c'est bon, c'est le bon objet, tu peux l'utiliser. Donc bah, on va l'utiliser, hein. Mais qu'est-ce que c'est ? Un anneau bizarre. Bon ben, c'est pas. Ce qui pourrait être bien, c'est peut-être de retourner à l'auberge pour demander aux gens s'ils savent ce que c'est. Oui, ça c'est un truc à faire assez régulièrement aussi, si on est perdu, qu'on sait pas quoi faire. Allez, bien interroger les gens, c'est toujours une bonne chose. Pourquoi je ne sais plus partir ? Ah, là, merci. Alors, là c'est le pont, là je sais même pas ce que c'est par là. Ah bah c'est l'auberge, ok. Bonjour. Mon Dieu, tu n'aurais pas dû toucher à cet objet. Le malheur est de nouveau sur nous. Fais attention, tu ne sais pas quelle force tu as à faire. C'est Dracul, le diable. Dracul ? Cela aurait-il un rapport avec le comte ? Dracula signifie « fils du dragon ». Et chez nous, en Transylvanie, le dragon est une créature maléfique. Elle apporte chaos et destruction.
C'est le gardien des portes de l'enfer. Ça dégouline des années 90, cette façon de faire, je trouve. Cette façon de montrer les personnages, cette façon de parler, j'adore. Cette fronde était au pied du calvaire. C'est très pratique, une fronde. Ça te laisse jamais tomber quand tu veux chasser ou braconner. Moi, j'ai l'habitude de chasser les oiseaux, près du lac tout en haut du vieux chêne. Il y en a toujours beaucoup là-bas. Il y avait aussi un oiseau sur le calvaire. Il avait été crucifié. Allez, maudit ! Je suis sûr que c'est Viorel et sa bande. Ils sont les âmes damnées du comte Dracula. Ce sont des brutes sauvages. Moi, je chasse pour manger. Eux, ils tuent pour faire des sacrifices. Mais pour quel diable ? Ils avaient disparu un moment, mais ils ont réapparu depuis peu. Cette partie-là est un petit peu surjouée. J'aime beaucoup le « Ah, les maudits !» Ah, je me poile. Je me poile avec les doublages de ce jeu. Bref. Bonjour, madame. Dans le cimetière, en déplaçant des pierres, j'ai trouvé un étrange anneau. Une mystérieuse lumière bleue semblait en indiquer l'emplacement. Vous avez vu les flammes bleues ? Les flammes bleues n'apparaissent que certaines nuits où les démons ont brisé leurs chaînes. Cette nuit, aucun homme de la région n'osera s'aventurer dehors, même si ces flammes désignent l'emplacement de trésors enfouis. Des trésors ? Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me contait l'histoire des invasions qu'a subi notre pays pendant des siècles. Il n'y aurait quasiment pas un mètre carré de cette terre qui n'ait été fertilisée par le sang des hommes. Mais les envahisseurs ne trouvèrent pas grand-chose. Les paysans auraient préféré enterrer leurs biens les plus précieux plutôt que de les voir tomber entre les mains de ces barbares. On dit que cet or serait maudit. Éloignez de moi cet anneau. Ok, d'accord. Ah. Vous m'excusez, madame, mais je fouille dans vos armoires. Bon, là, on a un tiroir avec une clé, donc on va pas pouvoir y aller. Bon, par contre, le vieux monsieur m'a parlé d'un endroit où je pourrais utiliser ma fronde, près du lac. Le lac, c'est à droite. Allons-y. Ah. Lac et métallum. J'imagine que c'est une mine. Enfin, ça veut dire mine. Ou métal. Mine de métal, je sais pas. Bon, le lac, nous disions donc. Éloigne-toi de cette cabane, sinon t'auras affaire à moi. Ah, mais ce doublage magnifique. Ah là là, on dirait une série sci-fi, les séries à la con, les petits films avec peu de budget. Bon. Comment je peux faire pour éloigner ce monsieur ? Ah, oui. Ah bah c'est ça le vieux chêne. Ok. Ah bah ils sont là les oiseaux. Bon. On va pouvoir utiliser notre fronde, logiquement. Oui. Ok. D'accord. Bon, et du coup, je peux passer ou... Bah ouais. Enfin, j'imagine. Ce que j'aime beaucoup dans les point and click aussi, c'est que... J'ai fait un truc. Maintenant, il va plus bouger de là. Il est là, il va regarder le lac jusqu'à ce que je fasse ce qu'il faut pour... Je sais pas, vu que, voilà, il faut utiliser quelque chose. Bon, qu'est-ce que je peux faire ?
Aha! Allez, assommons, monsieur.